Parmi les nombreuses et belles icônes de sainteté se trouvent Monique et Augustin, Monique étant la mère du grand Augustin, l'évêque d'Hippone. L'histoire n'a retenu de Monique que ce que son fils Augustin a écrit d'elle dans ses confessions, à savoir qu'elle a été une femme de grande foi qui a obtenu par son exemple, ses sacrifices, ses prières, la conversion au christianisme de son mari, de sa belle-mère et enfin de son fils. La piété populaire représente souvent ces deux grandes figures ensemble, contemplant le ciel dans une profonde communion spirituelle et s'entretenant sur les beautés de la vie future. Augustin a été ébranlé par la mort de Monique. Évoquant le trépas de sa mère, il s'attarde sur sa douleur et ses larmes. Cela dit, Monique l'avait bien préparé à cette échéance en lui faisant part de ses dernières volontés qui tenaient en deux points. Dans sa dernière maladie, elle dit à ses deux fils, Augustin et Navigius, de ne pas se soucier de son corps et de l'enterrer là où il se trouve en ce moment, à savoir à Ostie. Par contre, elle demande instamment de se souvenir d'elle à l'autel du Seigneur, autrement dit à la messe. 20 ans après, Augustin recommandait encore au prêtre de sa connaissance de se souvenir de Monique lorsqu'il célèbre le saint sacrifice de la messe. Au sujet des funérailles de Monique, Augustin écrit « Nous ne pensâmes pas qu'il fût convenable de célébrer ses funérailles par des plaintes, des pleurs et des gémissements, parce que ce n'était point dans la peine qu'elle mourait, et qu'elle ne mourait pas non plus tout entière. C'était en conséquence de sa vie innocente et de sa foi sincère que nous avions raisonnablement cette pensée. » Monique et Augustin nous apprennent à nous soucier de ce qui compte vraiment et à garder notre regard fixé sur l'éternité où nous attend un bonheur sans fin, un bonheur tel qu'il ne doit pas nous faire craindre de laisser derrière nous toutes ces choses qu'en cette vie nous croyons indispensables alors qu'elles ne sont qu'utiles. Comme Augustin, gardons notre regard fixé sur l'éternité où nous attendent ceux qui nous ont précédés. Voyons nos défunts plongés dans la vraie vie, comme Augustin voyait Monique, afin d'y trouver toute consolation dans notre deuil. Dans ses confessions, Augustin fait dire à Monique, parlant de l'autre vie, « Ne pleure pas si tu m'aimes. Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le ciel. » Si tu pouvais d'ici entendre le chant des anges et me voir au milieu d'eux. Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche. Si un instant tu pouvais contempler comme moi la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent. Quoi ? Tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres, et tu ne pourrais ni me revoir ni m'aimer dans le pays des immuables réalités? Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens, comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, et quand un jour que Dieu connaît et qu'il a fixé, ton âme viendra dans le ciel où l'a précédé la mienne, ce jour-là tu reverras celle qui t'aimait et qui t'aime encore. Tu en retrouveras les tendresses épurées. À Dieu ne plaise qu'entrant dans une vie plus heureuse, infidèle aux souvenirs et aux vraies joies de mon autre vie, je sois devenue moins aimante. Tu me reverras donc transfigurée dans l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant d'instant en instant avec toi, qui me tiendra la main dans les sentiers nouveaux de la lumière et de la vie. Buvons avec ivresse aux pieds de Dieu un breuvage dont on ne se lasse jamais et que tu viendras boire avec moi. Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m'aimes. Oui,
Essuyons nos larmes et ne pleurons plus si nous aimons vraiment ceux qui nous ont devancés dans le royaume des vivants. À ceux qui nous ont précédés dans la maison des cieux, à ceux qui nous ont précédés, ne faisons point d'adieu. Yeah.